Et salutations mes chatons, c'est Chicouette. Et oui, on se retrouve encore. Ouais, j'en ai reçu un, encore un calendrier, je vais y arriver à parler, hein, que j'ai reçu hier matin, donc samedi 23 septembre. Et ouais. Voilà, que j'aurais dû recevoir aussi vendredi, donc tant mieux pour moi parce que ça m'a fait un peu beaucoup trop de vidéos quand même là. Voilà. Donc j'ai. Non, j'ai pris le calendrier L'Oréal Paris cette année, parce que déjà celui de l'année dernière, il me tentait très bien. Cette année, je ne savais pas si je le prendrais ou pas. Et bah en fait, il est déjà là. Donc voilà, je vais expliquer pourquoi. Alors, déjà, je peux le faire entrer. Il est. Ah, merci la ring light. Ça ne change rien en fait. Là. Donc il est comme ça. Alors attends, j'essaie de vous faire montrer. Voilà. Bon, après vous voyez un petit peu. De toute façon, c'est pas le premier que vous voyez. Voilà. Et à l'intérieur, comme ça. Voilà. Du coup, on ferme. Du coup, il est à 84, je dis pas de conneries, mais 94,99 euros, hein, pour pas dire 95 euros, sur le site de L'Oréal Paris, tout simplement. Donc voilà, c'est un 24 cases, voilà. Il n'est pas réutilisable. Donc, je vais quand même lire ce qui est marqué. Qui est très important, enfin, ou pas, ça dépend pour qui. Alors, chère Beverly Anne, voici votre colis L'Oréal Paris contenant vos produits préférés et des échantillons pour découvrir nos nouveautés. Ils sont où les? Ils sont où les échantillons? Enfin, moi, pour moi, j'aurais dû recevoir des échantillons avec le calendrier, mais bon, je sais pas. Après, est-ce qu'il parle? Qu'est-ce que je veux dire? Est-ce qu'il parle de ce qu'il y a à l'intérieur comme produit? S'il y a des échantillons dans les produits, je veux dire. Oh, dans le calendrier. Oh, pour le prix, ça serait dégueulasse. Nous vous souhaitons d'en profiter sans modération. S'il faut attendre le 1er décembre. N'oubliez pas de revenir régulièrement sur notre e-shop loréalparis.fr. Pour profiter des nombreux avantages et exclusivités que nous vous réservons. À très bientôt, l'équipe L'Oréal Paris. Ok. Donc, j'ai pas eu deux échantillons. Voilà. Alors, je sais le contenu parce que. Trois petits points. Moi aussi, je peux le dire, je suis bête. Parce que j'ai déjà vu l'unboxing de Oriane de la chaîne Beauty Gold. Donc, puis ça m'a plu et j'ai. Oh, je sais plus combien j'avais calculé de produits que je gardais ou que je gardais pas. Enfin, je crois que j'ai mis, on va dire, 19-20 produits que j'ai mis sur le calendrier. Donc, pour moi, ça m'a permis de décider de le prendre, quoi. Enfin, tout simplement. Voilà, alors pour ceux qui ne veulent pas être spoilés, vous pouvez vous arrêter là. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, vous pouvez. Petit j'aime, ça m'aidera beaucoup et ça fait toujours plaisir. Pour ceux qui sont encore là, hein, et bah c'est parti quoi. Oui, le problème c'est que voilà, encore une fois, je peux pas montrer. Même si je suis dans ma salle à manger, j'ai pas de truc assez haut pour voilà. Alors. Je trouve la case numéro 1. Hein. Comme d'habitude, à chaque fois, je viens de la trouver. Comme je coupe pour décrocheter et puis après, je vous montre. Quoi. Du coup. Alors, on commence du coup avec bah, de la marque L'Oréal Paris. Je crois que c'est que la marque L'Oréal Paris, hein, normalement. Si j'ai bien compris, c'est un mascara télescopique lift. Ouais, c'est ça. Dans la teinte, bah, je sais pas s'il y a une teinte. Bref, il est comme ça.
Donc voilà, une case numéro 2. Alors, dans la case numéro 2, nous avons dans la gamme Glow Paradise, c'est un rouge à lèvres de la teinte 906 Blush Fantasy. Donc il est comme ça. Donc il doit être de la teinte comme ça. Je suppose que je peux faire ça, voilà. Comme... Ah oui, on voit mieux comme ça. Donc ça a l'air d'être un marronné, nude. Très bien. Hâte de tester en tout cas. Case numéro 3. Dans la case numéro 3, nous avons dans la gamme Revitalift Clinical ou Clinical. C'est un sérum 12% vitamine C pur plus E plus acide salicylique. C'est pour le teint, les pores et les ridules. Peau deux fois plus lumineuse. Donc voilà. Trop cool. Sérum, trop cool. Case numéro 4. Alors dans la case 4, on a, je ne sais pas si c'est dans une gamme spéciale, Infaillible Grip. Donc c'est un gel automatique eyeliner UP tout 36 heures si j'ai compris. Ah, il y a un embout mousse et l'eyeliner du coup pour estomper. C'est le 001 Intense Black. Hashtag plastique, hein, ça c'était sûr. De toute façon qu'il allait être dedans, cet hashtag-là, dans tous les calendriers d'ailleurs. Case numéro 5, pardon. Donc, dans la case numéro 5, nous avons Light from Paradise. Donc, je suppose que c'est une gamme. 64% d'ingrédients. Non, c'est pas ça qu'on dit. Dit well. C'est le 01 Iconic Glow. Et du coup, ça doit être une poudre highlighter. C'est ça. Voilà, j'ai dit la teinte en fait. Voilà. Alors, oulala, Rinlight, bonjour. Voilà. Vous savez que ça je garde pas, mais je sais pas si ma soeur le prendra. Et je pense pas, il m'a l'air très clair. Voilà, case numéro 6. Alors, c'est encore un mascara, c'est le volume Million de cils. Million de cils, on va la dire à la française. J'arrive pas. C'est pas grave. C'est le Black Mascara. Bah voilà. Lui, je crois qu'il est connu. Hein. Il est doré. Enfin, il se voit pas doré là, mais. Voilà. Case numéro 7 qui est à côté d'ailleurs. Dans la case numéro 7, il y a du coup. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un primer juste. Ah oui, bah oui, primer 24 heures pore. À 1% d'AHA, de LHA et de BHA complexe. Je pense que c'est ça. Hein. Ah oui, c'est une base de teint lissante, du coup. Voilà. Alors, est-ce qu'elle est colorée? Je ne sais point. Moi, je te jure que j'aime bien quand c'est coloré, parce que des fois, ça suffit à lui-même, en fait. Voilà. Case numéro 8. Je viens de lire le produit. Donc, c'est la teinte 01 Unsurpassed. C'est un mat. Il est marqué ombre à l'huile. Ouais. Et la teinte, elle est un peu trop claire pour moi. Vu que je suis blanche. Voilà. Une ombre à l'huile, quoi. C'est bizarre. Case numéro 9. Je viens de lire sur la case numéro 8, alors qu'il doit certainement y avoir des inscriptions. Il y a marqué ombre à paupières Color Queen. Donc, c'est dans la gamme Color Queen. Mais, appliquez le fard à paupières au fini irisé au coin interne de l'œil pour un regard agrandi et lumineux. Mais pourquoi c'est marqué l'huile? Bon, du coup, il faut que je lise les autres cases. Enfin, voilà. Case numéro, j'avais dit quoi? 9, du coup. Hop là, du coup, j'ai juste à lire la case.
C'est un crayon contour des lèvres dans la gamme Color Riche. C'est le 302 Bois de Rose. Tricheuse. Bois de rose, c'est très bien ça. Case numéro 10, du coup. Bon, là, je peux lire le produit. Donc, c'est dans la gamme Color Riche et c'est un rouge à lèvres dans la teinte 302 Bois de Rose, du coup. Merde, il est plastifié, je peux pas vous faire montrer. Donc, voilà. Bah, c'est un nude encore. Trop bien. Trop bien. Case numéro 11. Bon, alors, du coup, là, c'est un mascara en soin. Donc, c'est un teinte universel. Donc, c'est transparent. Ça, j'avoue que j'aime pas. J'aime pas. Et ça, je vais pas garder. Je sais même pas si ma soeur va le prendre. Donc, ça va être, ça se trouve, en concours. Donc, case numéro 12. Donc, dans la case numéro 12, il y a dans la gamme Perfect Slim, c'est un super liner de la teinte Intense Black 01. Oh, il doit être, vu le truc, il doit être en feutre, je pense. Case numéro 13. Alors, c'est encore un fard à paupières mono, du coup, dans la teinte 32 commandeur ou commandé en français satin, et ça me tente déjà un peu plus, mais à voir ce que ça donne comme effet. Voilà, case numéro 14. J'ai oublié de dire si ça portait chance ou pas chance. Ça va. Alors, dans la case 14, il y a du coup un masque sérum yeux rafraîchissant dans la gamme Revitalift Filer. Donc c'est à l'acide hyaluronique. Donc ça, c'est trop bien. Depuis le temps qu'on n'entend pas cette gamme qui passe tout le temps à la télé, hein, hashtag Eva Longoria. Voilà. Ah oui, bien sûr, merci Larry Knight. Ah oui, le packaging est tellement beau en même temps. Voilà, bref. Case numéro 15. Alors, il y a du coup un gel à sourcils volumisant. La teinte 00 Clear. Pas pour moi, ça. Vous le savez que c'est pas pour moi. Alors, c'est un packaging très simple. Case numéro 16. Alors, tout à l'heure, nous avons le mascara de soin. Donc, voilà. Bah, du coup, on a le mascara avec, quoi. C'est le Lash Paradise. Teinte black, je suppose. Voilà. Qui est censé être comme ça là. Case numéro 17, c'est bien d'avoir fait le combo. On avait le sérum yeux, maintenant on a le masque sérum pour le visage. Donc, repulpant dans la gamme Revitalift Filer, à l'acide hyaluronique toujours. Trop contente! Case numéro 18. Du coup, toujours dans la gamme Infaillible Grip, c'est du coup un gel automatique eyeliner, mais dans la teinte 005 Blue Jersey. Donc je suppose qu'il est. Oula, 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 oula. Je suppose qu'il est bleu. Je suppose qu'il est bien bleu. Ouais. Il est bleu foncé. Donc ça, c'est pas mal, le bleu foncé aussi. Case numéro 19. On approche de la fin. Alors, c'est très bien pour moi, puisque c'est dans la gamme Elseve Hyaluron Repulp 8. 8 secondes, pardon, 8 secondes, soin magique, hydratation instantanée. À l'acide hyaluronique, du coup, 18 fois plus d'hydratation, 5 fois plus de brillance, sans silicone et soin à rincer, ben, sans déconner. Pour cheveux déshydratés et fatigués.
Trop bien. J'aime bien la couleur de leur gamme Revitalift et même celle-là du coup, qui est toute violette là. Trop contente. Case numéro 20. Alors c'est encore un contour des lèvres. C'est ce qui est marqué. Hein. Voilà. Contour des lèvres dans la gamme Color Riche et c'est en teinte. Organza. Je crois qu'elle est connue celle-là, je ne suis pas sûre, mais je. Oh là, je suis en train d'avancer la table là. Voilà. Case numéro 20. Je sais plus ce que je fais là. Oui, 21. C'est encore un rouge à lèvres de la gamme Color Riche. Et du coup, c'est la teinte 303 et c'est rose tendre. Il n'est pas. Ah, il n'est pas plastifié. L'autre était plastifié. L'autre, il y a juste un morceau de machin là. Allez, je vais encore galérer. Voilà. Ouf. Ah oui, pour être rose, il est rose lui. Hein. Mais je crois que ça va être un rose satin lumineux. Dégage. Allez hop, toi. Dégage. Il me fait chier de toute façon. Allez, hop. Donc, cool. Cool. Case numéro 22. Alors là, c'est un call naturel by Paradise. De la teinte. Je vais lire, hein, parce que bon. Ah, il est brun, du coup. C'est la teinte au brun. Du coup, qui doit être, je suppose, comme ça. Case numéro 23. Alors c'est un fard à paupières dans la teinte 19 Mogul Satin. Mais je sais pas, ça me dit rien du tout encore. Ça me dit rien. De toute façon, tout ce qui est clair, moi, ça me dit rien. Et donc, la dernière case, case numéro 24. Je pensais que c'était un mascara. Eh ben non, c'est un rouge à lèvres. C'est un rouge à lèvres. Alors, je vais marquer là. Hein. Dans la gamme Color Riche Intense Volume Mat, c'est la teinte 346, le rouge Détermination. Oh putain, on est déterminé. J'adore le packaging. Par contre, il est tout en velours. Franchement, c'est très classe. Ouah! Oh, je sens que je vais aimer. Et ben voilà. Alors mon petit bilan. Alors attends, je vais regarder le cul du truc, hein. Le cul du calendrier. Alors nous avons quand même un. Enfin, il y a je sais pas combien de mascaras. En vrai, c'est un calendrier maquillage, donc voilà. Par contre, j'aurais mis, avec tout le maquillage qu'ils ont mis, j'aurais mis un démaquillant, franchement, en toute honnêteté. J'aurais mis un démaquillant. Après, voilà. Franchement, je l'aime bien. Dans le sens où, voilà, je vais garder. Je crois qu'il n'y a que 5 produits que je n'ai pas gardés quoi, dans le calendrier. Donc, franchement, je suis assez contente. Et alors, j'ai vu le format du. Ah oui, du soin magique là pour les cheveux, j'ai même pas dit là le gramme. C'est un 200 ml, il doit coûter la peau des fesses. Ouais. Il doit coûter la peau des fesses. Alors, ce qui est bien, c'est ce qui est marqué derrière. Sur tous les produits, il y a marqué d'où provient, ça a été fabriqué quoi. Donc, je vais pas lire un par un, mais je vais lire au moins les pays qui ont fait. Les produits, alors il y a Italie, alors il y a Italie, il y a Chine, France, Allemagne, Belgique, République tchèque, et 6.
Et voilà. Donc il y a 6 pays qui a fait différents produits. Il n'y a qu'un produit République tchèque. Hein, mais voilà. Mais bon, voilà quoi. C'est sympa qu'ils ont fait ça aussi derrière. Voilà. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Pour moi, il est rentabilisé. Hein, voilà. Donc, je suis contente. À voir l'année prochaine, bien sûr. Alors, si la vidéo vous a plu, un petit j'aime, un petit commentaire, un petit abonnement si le cœur vous en dit. Moi, je vous embrasse, je vous aime. Et on se retrouve prochainement. Bisous.